Bon, bien le bonjour. Alors, il n'y a pas encore grand monde. Ça fait longtemps, ça fait 6 jours. Bon. Salut et Capsflow. Ça va. J'ai l'impression que ça fait bien 2 semaines que j'ai pas streamé. Même si ça fait que 5-6 jours. Mais bon, entre-temps, j'ai pu prendre du bon temps. C'est-à-dire loin d'un ordi. Et le temps où j'étais devant l'ordi, ben j'ai bien avancé. Bien avancé. Il fallait que je rush un peu. Mais on a des résultats plutôt cool. Des bugs, comme d'hab. Mais des résultats cool. Un petit bug dans OpenCV. Ça fait perdre quelques heures. Et là, je suis en train de préparer l'animation qui sera utilisée le 22. Ouais, les bugs, voilà. Toujours comme ça. Hein. Attends, j'ai une notif qui m'a pété les oreilles. Je trouve laquelle. Ça doit être ça. Ok. Je vais passer ma voix dans mon casque. Ah non, le bug d'OpenCV m'a rendu fou parce que tu cherches le bug dans ton code pendant des heures. Et du coup, tu refais un bout de code de zéro. Et là, t'as le même résultat. Ah, t'étais en train de t'endormir. Bah écoute, bonne nuit. À la prochaine. Je devrais streamer un peu plus régulièrement là. Je suis moins dans le stress du temps. Donc, jusqu'au 20. On est quoi? 14? Ouais, jusqu'au 20 à peu près tous les jours, je pense. Le 21, repas d'équipe. Et 21, repas d'équipe. Et le 22, c'est l'événement. Ah bah, tu veux que je me mette sur quoi comme scène? Ça? Ah, c'était pour m'alerter. Ok. Ouais, bah là, j'ai un petit bug dans une animation, mais... Merci, Sylvain. Suis pas prêt, moi. Wow. Hey, salut, Defend. Alors, c'est marrant parce que j'étais sur ton live il y a très longtemps. Bonsoir, le raid. Bonsoir, tout le monde. Ouh là là, ça fait beaucoup de monde d'un coup. Donc je vais pas vous demander ce que vous faisiez chez Defend parce que j'y étais. Donc moi je suis en train d'essayer d'arnaquer une assurance. Non, je déconne. Ouais, Defend, je me suis pas trop embêté sur les animations. Hein. Wisebot, il proposait ça, et voilà. Pour l'instant, je préfère me concentrer sur ce que je fais plutôt que tweaker le stream. Et parce que, alors, c'est marrant que vous en plus parce que du coup, ce que je bosse sur des animations, l'animation que vous voyez dans mon dos là. Il faut imaginer que c'est des webcams. Merci pour les follow. Mais alors, à merci qui? On a Johansund, Jasko et Yosei et deux autres. Ah, j'ai pas les noms. Je veux les avoir où? Renoven et Siavien et Defend. Premier degré, t'as mis le dernier nuage. Ok. C'est vraiment celle de Wisebot. Elle est intégrée avec les
les bouts de browser que tu mets dans OBS. C'est plutôt cool. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait de beau ce soir? Eh ben là, je reprends après 6 jours de coupure. Parce que j'avais une deadline importante dans quelques jours. Donc je fais ce genre de vidéo. Voilà, je vais vous la montrer là. Donc il faut imaginer que les petites bulles, c'est des webcams en live. Et du coup, je code. Je vais vous montrer le contexte après. Comment c'est utilisé. Mais en gros, c'est des mosaïques pour des événements en distanciel, justement. Tu viens de te voir tout nu. Non, alors là, c'est pas vraiment des webcams, c'est des vidéos récupérées d'un ancien événement. Et pour vous montrer le genre d'événement, si ma souris veut bien refonctionner. Les événements, ça ressemble à... Elle est où? Ce genre d'événement. Donc ça, c'est une version que j'ai codée pour mon client il y a 1 an et demi. Et du coup, là, je suis en train de faire quelque chose d'un peu plus stylé et animé. Et du coup, mon client fait un gros événement avec... Je suis en train de coder dans un peu moins de 10 jours. Donc gros rush, gros rush en ce moment. Puisque du coup, ils ont appris l'existence de ce que je faisais il n'y a pas longtemps. Et ils m'ont dit, on veut. Donc ils m'ont acheté mon produit. Et ils m'ont demandé que... Salut tout le monde, excusez-moi, il y a vraiment beaucoup de hello. Du mal à... suivre en même temps, pas trop habitué. Et du coup, voilà. Et sinon, parmi les exemples que je fais... Moi, ça, c'est celle que j'ai derrière moi d'habitude sur le stream. Donc voilà, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les félicitations. Donc, tu vois, des fins d'hier... Je crois que c'est hier, tu disais y a rien pour retenir les développeurs en France. Bah, écoute, il faut 25 ans de side project pour qu'enfin il y en ait un qui soit reconnu par quelqu'un et acheté. Donc je reste en France. J'avais pas prévu de partir de toute façon. Donc voilà à quoi je m'amuse. C'est cool, merci. Merci beaucoup. Et du coup, vous voyez dans le petit graphique au-dessus de moi, c'est comment l'application est découpée en process. Et sinon, principalement, c'est du Python. Hein, le seul vrai langage. Non, pas de troll ici. Du CUDA. Donc, merci la carte graphique. Merci pour les follow. Tout le monde, tous ceux que j'ai pas eu le temps de dire merci. Du C pour les parties complexes, mais que j'écris pas moi parce que j'utilise des librairies. Après Pascal, bien sûr. Oui, Sylvain. Mais ouais, toute la logique est en Python. Là. Ouais, elle rentre bien, ouais. Je vais la remettre là. Ouais, il y en a des petites sympas comme ça. Ah, je crois qu'il n'y a pas la dernière. Celle que j'ai fait aujourd'hui. Non, parce qu'en plus, bon. Pareil pour les clients, ils me demandent une animation, je leur montre et oui, mais en fait, non, on veut pas ça. Donc je refais. Ah oui, ça c'est. Gérer jusqu'à 3500 vidéos en temps réel. Donc il y a les machines et le réseau qui suit. Voilà. Et dans les petites animations sympas, il y en a une. Attendez, je vais vous la trouver. Faut que j'aille sur le Slack.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'animation pour l'événement du 22. Attention parce que, accrochez-vous, il va se passer quelque chose dans 3, 2. Voilà. On s'amuse comme on peut. Hein. On s'amuse comme on peut. Merci, merci, et merci pour encore les autres lots, Craig, Sadukan, Xor, Ulonaru, DJ Boulette, le centre, la cantatrice chevelue, Alexandre, Hopeless, Rinoven, etc., etc. Donc je travaille là-dessus. Popula, ce que vous voyez, c'est juste les mesures de temps que je fais dans le programme qui me permet de voir où ça pêche, puisque ça tourne à 60 FPS, donc faut que on se bat contre les millisecondes, quoi. Agora, non, je ne connais pas Agora. Qu'est-ce que donc Agora? Non, je fais tout moi-même. Agora voulant dire full, je crois, un truc comme ça. J'imagine que c'est un outil qui fait ça. Non, 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 tout est 100% codé par moi. Merci Yoatech. Non, Yotatech. Ouais, donc là, voilà, donc là, ça montre, même dans le détail, qu'est-ce qui prend du temps pour savoir où réduire. 1z4, gestion de stream vidéo en ligne. Ok, d'accord. Le client demande involontaire, achat de la vidéo a lieu pile au moment de ton animation. Ouais, mais bon, l'animation de fond, elle n'est pas de moi, hein. On me l'a fournie. Voilà, là, ça me dit par exemple que ce bout de code a pris 2,22 secondes, etc. Millisecondes, etc., etc. Et du coup, là, je relançais le stream après quelques jours, bah, comme ma deadline a été décalée, un peu moins dans le stress, donc j'ai un peu plus de temps pour streamer le soir. Et si jamais vous voulez suivre au jour le jour ce que je fais, on a un Discord très simple pour l'instant, pas vieux du tout. Et j'y poste quotidiennement comment j'avance, etc. Et ben voilà. Donc là, je suis en train de régler les animations puisque la dernière en cours a un bug. Comment, attends, comment je l'affiche? La dernière en cours a un petit bug. Il y a un moment. Non, d'ailleurs, je vais la lancer là. Il y a un moment, il y a un pop au niveau juste avant qu'elle parte en fade out, certaines animations qui pop pas bien, certaines tuiles qui ne pop de façon pas jolie. Et ça, c'est un bug dans le code que je n'ai pas encore trouvé. Voilà, donc globalement, moi je stream le soir, en dehors de mes petites pauses quasiment tous les soirs, vers 22-23 h. Et là, c'est un peu à cause des fans que j'ai décalé, que je pouvais pas m'arrêter de regarder le React. Ouais, la nuit, des fois on va jusqu'à 4 heures. Il n'y a plus grand monde, mais. Voilà. Et oui, donc pendant que je code, on cause de tout et de rien. C'est plaisir.
Du coup, là, il faut que je comprenne pourquoi ça, ce bout-là, ne fonctionne pas. Alors que ça devrait. Et donc, deadline le 22, enfin, l'événement est le 22. Encore pas mal de petits trucs à faire. Mais à la base, le deadline était le 16. L'événement le 22, mais moi j'avais une deadline le 16, mais on m'a dit, mais non, mais c'est bon. T'inquiète. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de test en conditions réelles de mon programme avant le 21. Non, plus de deadline intermédiaire. En fait, le 16, ils font les répètes de l'événement, mais ils vont pas utiliser le produit. Ça rentre pas dans leur façon de faire les répètes. Donc non, moi j'ai jusqu'au, je crois, attends, moi jusqu'au vendredi, j'ai jusqu'au 18 du coup, puisque la, une personne avec qui je bosse part en vacances après. Mais ça va être plus simple. Et puis ils ont simplifié les prérequis, donc. Ça m'arrange. Ça m'arrange. Je suis un peu timide de montrer devant tout le monde mon code tout moche. Parce que ouais, ici, il est vraiment pas beau. Le problème de faire du rush. Hein. Et, on fera beau après le rush. Quoi. Et du coup, aujourd'hui, quand je code, je génère les vidéos, mais je peux générer directement un flux vidéo qui sera au final utilisé, évidemment. Ça marche comment pour diffuser? Les gens se connectent à un site? En fait, le client pour qui je bosse, eux, ils ont une app. Donc, tous les gens qui participent à l'événement sont sur cette app. Et sur lesquels, en haut de l'écran, il y a, comme sur Twitch, sur leur téléphone ou n'importe quel... Il y a la vidéo de l'événement. Et on leur demande leur caméra. Et ça se connecte. Et eux, ils ont la vidéo de l'événement. Et moi, en fait, moi, le flux, il est diffusé à la régie de l'événement, qui fait son montage sur ses murs. Et eux, ensuite, ils filment leur mur et le plateau. Et c'est ça qui est diffusé. Comme ça que ça fonctionne. Moi, je fais juste un flux. Non, ouais, ça pourrait, mais ouais, il y a filtrage. Ouais, mais souvent, de toute façon, sur les murs, ils font différentes animations, différents trucs. Donc, moi, je leur propose le flux en permanence, et les régies sont habituées. En termes de réseau, c'est énorme. Ouais, en entrée surtout. Pour moi, enfin pour, ouais, pour ce produit-là, en entrée, puisque c'est les flux des webcams, mais sur le cloud, ça va. Ouais, mais l'avantage, c'est que sur la plupart des clouds, les flux en entrée ne coûtent rien. Non, parce que moi, la régie, je lui file un seul flux. Moi, je génère le flux vidéo en HD, ou le format qu'ils veulent. Donc là, je crois que mon bitrate, il est 8000, 6000. Bitrate classique de stream, hein, on va dire. En fait, les webcams envoient le flux à mon serveur et le serveur envoie un flux vidéo à la régie. C'est beaucoup plus efficace. Ouais, et le but, c'est que les régies n'aient justement pas à gérer tout ça. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, moi, j'ai l'habitude de la travailler en HD, mais là, le format du client, c'est un format bizarre, mais bon, j'ai juste deux valeurs à changer. Et puis, non, ils affichent la vidéo que je... En fait, moi, j'envoie ça, par exemple.
eux, soit ils l'affichent sur la totalité de leur écran, soit ils l'incrustent dans une autre vidéo qu'ils affichent sur leur écran, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je leur envoie juste ce flux-là. Il n'y a aucun intérêt à le découper après. Bah ouais, merci. Le boulot. Avec le classique 3 heures pour résoudre un bug de 2 lignes. Là, par exemple, j'ai aucune idée de pourquoi ça marche pas. Et comme j'ai plein de process en parallèle, en plus, le debug est pas facile. Mais bon. Comment ils décident s'ils souhaitent par exemple sur une vidéo de quelqu'un? Alors pour l'instant, ils peuvent pas. Pour l'instant, ils peuvent pas. Et moi non plus, je ne peux pas. Parce qu'ils veulent utiliser le projet alors qu'il n'est pas fini. Mais je peux vous montrer un. J'avais fait des slides. Attendez, c'est où? Ça va être là, faut que je retrouve le slide. En gros, là, est-ce que je peux zoomer? Je peux zoomer. Ça, par exemple, c'est à ce à quoi ressemblera le ce que j'appelle le live board. Donc, en fait, ils auront la mosaïque là. Et en fait, en cliquant sur une personne pour la ban temporairement, envoyer un message pour dire bon. Arrête de te curer le nez, tu reviens dans 10 secondes. Ils pourront déplacer la personne pour mieux la centrer, etc. Ou échanger deux personnes. Et start duplex, c'est pour mettre la personne en avant avec le micro activé, etc. Mais on en est loin d'être ça. Et juste là, un petit panic button. Par exemple, si tu as une dizaine de personnes qui ont décidé de faire les cons en même temps, t'as pas le temps de tous les ban machin. Pour reprendre l'exemple de personnes montrer leurs attributs, ben, un panic button, ça met un gros flou sur l'image, sur ce qui est diffusé. Et pendant ce temps-là, lui, il a pas le flou et il peut ban les gens. Voilà. Mais ça, c'est un outil de modération n'existe pas du tout. Mais eux, ça fait déjà un an et demi qu'ils utilisent la solution que j'ai développée pour eux il y a un an et demi. Donc celle où il y a juste les rectangles, tout simple. Il n'y a jamais eu de soucis. On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais il n'y a jamais eu de soucis. Mais c'est vrai que ça la fout très mal. Et même pas d'ailleurs. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de soucis? Ouais, alors le truc, c'est que là, c'est pas spécial, c'est pas une app d'entreprise. Enfin, c'est une app d'entreprise. En général, c'est les clients, ouais, c'est des entreprises. Mais pas le 22. Le 22, c'est un événement où mon client a invité plein de clients potentiels à eux. Donc, il faut pas que ça foire. Parce que le but était d'en mettre plein les yeux. J'ai pas le droit à l'erreur. C'est vrai que je signe mon contrat avant d'ailleurs. Et oui, là, c'est arrivé beaucoup trop vite pour moi, mais. Mais bon. Mais ouais, le petit panic button. En fait, les slides que vous voyez là, on les a fait en live il y a 2-3 semaines. Où je présentais du coup le projet à mon client. On les a fait en live et le panic button est arrivé à ce moment-là. Il y a plein de choses en live ici. Tant que c'est pas grand public, ouais, non, mais grand public, il faut absolument une interface de modération. Ouais.
Ouais, et puis même non seulement modération et en grand public, il faudrait augmenter la latence, quoi. Ce que l'admin y voit, enfin ce que le modérateur, l'équipe de modération voit, c'est genre 10, 5, 10, 5 ou 10 secondes avant ce qui est diffusé, quoi. Et le problème de la latence, c'est qu'on perd la réactivité. Alors si les gens veulent se mettre à applaudir quelque chose qui est en train de se passer, hein, ils applaudissent 10 secondes trop tard, quoi. Ouais, le panic button, le flou, il est en mode sur toute la mosaïque. Comme ça cible personne. Et là, il peut ban les gens. Tu peux pas flouter juste une personne. Ouais, l'idée, c'est vraiment, tu caches tout. C'est genre quand quelqu'un rentre chez toi, t'es à poil, bah, tu mets la serviette. Et après, tu mets ton caleçon, quoi. Complètement bizarre comme comparaison. Non, pas grave. J'ai commencé ce projet en novembre. Je stream dessus depuis fin janvier. Il est quelques-uns. Ça marche la comparaison. Quelques-uns qui sont là depuis quasiment le début sur mon stream. Ça fait pas longtemps, genre Sylvain a pu voir la progression. Des fois c'est laborieux, mais petit à petit ça avance. C'est toujours ça le principal. Puis le challenge du rush, le manque de sommeil, que les bugs sont de plus en plus durs à combattre. Rien au code, je suis vraiment curieux de vraiment construire un projet. Là, c'est particulier parce que, en plus, c'est vraiment un projet qui est né dans mon cerveau. En fait, j'avais vu une fois à la télé, sur Netflix, j'avais vu ça. C'était un extrait d'une émission Penn & Teller, Oulmi, je crois. Il y avait ça, donc là, on était en mars. 2000, fin février l'année dernière, donc il y a un an. Et nous, ça faisait 3-4 mois qu'on a. Fouless, ouais, c'est ça. Ça faisait 3-4 mois qu'on avait sorti la version avec les rectangles. Mais bon, pas les moyens de continuer d'avancer sur le produit. Et c'était resté dans un creux de ma tête. Et quand l'année dernière, j'ai acheté ma carte graphique et que j'ai commencé à voir qu'on pouvait faire des trucs sympas. Au calcul en parallèle. Je me suis dit, tiens, je vais essayer. Puis voilà. Ouais, il y a eu un truc sur France 2 il n'y a pas longtemps, ouais, la semaine dernière ou la semaine d'avant. J'ai vu ça. Enfin, on m'a partagé les écrans. Mais ouais, ça marche bien. Bah, le Covid a aidé à ce que ça marche bien. Après, les gens. Certains y ont pris goût, donc je pense que ça continuera à être utilisé. Parce que ça rajoute une animation, quelque chose de différent que juste le public, c'est rapproche. Puis il y a plein de possibilités. Par exemple, là, tu peux imaginer un quiz où les gens qui répondent A, ils s'affichent en bleu, les autres en rouge, etc. Ouais, le logo, ouais. T'es pas le premier à le dire, mais ouais. Clairement, ouais. Clairement. Ça fait partie des possibilités. Nos clients, ils ont déjà l'équivalent du logo dans un truc qu'ils appellent le reveal. C'est pas avec les webcams, ils l'ont fait avec les avatars des gens dans l'app. En attendant. Ouais, les caméras. Ouais, pas mal aussi, ouais. Super navette. Bonne idée aussi, ouais. Eh ben écoute, je peux balancer le nom de la boîte pour qui je travaille. Attends, je me trompe pas de nom. Ah bah merde alors.
Je viens de découvrir que quand... je colle le site web de la boîte. What? Ah, c'est point app, ok. Voilà. Le site, c'est ça. Pour l'instant, il utilise la version avec les rectangles, mais... Premier événement avec autre chose que les rectangles, le 22. Reproduire une image avec les cams en analysant les couleurs présentes dans chaque cam. Ah ouais, intéressant, Xor. Merci pour le follow, FIFO, Fiofi. Lo-fi. C'est un I ou un L? L. Ah, c'est dur de dire. C'est vrai parce qu'il me dit, il y a un moment on a discuté. Parce que du coup, ils ont. On est en train de finaliser le rachat de ce que j'ai développé sur mon temps perso, donc par cette boîte, dont je viens de donner le nom, et qui est sur l'écran. Et je leur ai dit, par contre, ok, mais moi je continue à dev en stream le soir. Ils m'ont dit, ouais, mais quand même. Je dis, non, non, mais. Moi, j'ai vraiment envie. Ok, d'accord, tu diffuses juste pas de... Tu fais attention, quoi. Je fais, ouais, mais peut-être tu peux rapporter des clients. Jamais. La preuve, je viens de balancer le lien. Comme quoi, ça marche dans les deux sens. La communauté, ça apporte, et nous, on apporte à la communauté. Mais ouais, non, mais il y a plein d'idées, de trucs à faire. Une des idées qu'on a eues, c'est quand tu... Mais là, imagine que c'est les deux personnes là se tapent la main. Et ben, par exemple, ça fait... on peut imaginer une animation au niveau des tuiles qui bougent. T'as plein de trucs possibles que tu peux imaginer comme interaction. On a même pensé à un Tetris. Ouais, un Tetris. Genre par exemple, bon là c'est une version où il y a plein de duplicates, mais... Bonne nuit, Zikoul, merci d'être passé. Bon courage pour les cours demain. Ouais, Pac-Man aussi. Bah Pac-Man plus compliqué, mais le Tetris il s'applique bien. Alors qu'au début tu imagines c'est tout noir, ou n'importe quel fond. Et par exemple, tu as le L du Tetris qui s'affiche, donc c'est quatre personnes. Et les quatre personnes sur leur téléphone vont appuyer sur la direction où elles veulent aller, et ça va aller dans la direction majoritaire. Où il y a de quoi bien se marrer. Candy Crush aussi, ouais. Parce que non, Candy Crush devrait être banni de la planète Terre, mais donc non, je ne vais pas perpétrer cette, cette tradition. Je pensais à un truc genre ça explose en fonction des couleurs avant que tu parles de Tetris. Ouais. Ah mais... Vraiment plein de choses à faire. Parce que dans la version d'avant où ils avaient juste les rectangles, nous on récupérait... ce que je faisais c'est je récupérais le flux des webcams, je compose l'image et je balance. Là chaque tuile c'est un vrai objet animable, j'en fais ce que je veux. Vraiment de quoi s'amuser. Mais il y a masse de taf. Masse de taf. Voilà, déjà, en quelques semaines, on a fait le moteur d'animation. Il n'y avait pas d'animation avant. Le principe de petit perso animé. Par rapport à ce que je disais quand il tape. Quand il se tape sur la main. Ah, sur le site. Oui, pardon. Ah ça va, Wisebot, on a 26 viewers, sois content. Il y a deux chiffres aujourd'hui. Je dis ça par rapport au message de Wisebot dans le chat. J'ai passé tous les soirs au télé pour avoir l'impression. Bah, écoute, volontiers, avec plaisir. Plus tu verras si c'est bon enfant. On ne parle pas que code pendant que je code. Et en plus, un peu plus souvent vers la fin, on... Je ne sais plus trop d'ailleurs.
En plein rush aussi. Bah écoute, merci pour la deadline. Bah, bon courage à toi aussi. Bon courage à toi. Ouais, les rushs. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Je serais content de dormir quelques jours après quand ça sera passé. Bonne soirée. Donc, si je reprends, mon problème, c'est... Donc, si je reviens sur la vidéo... Voilà pourquoi dans mes tests, je génère des vidéos et pas des flux. Enfin, je génère des fichiers et pas des flux. Parce que comme ça, je peux mieux voir ce qui se passe. Donc je cherche à revoir le pop que j'avais déjà repéré. Ah. Allez, le curseur. Ah, donc elle là. Voilà. Elle est passée d'un gros scale à un tout petit scale et ça, t'es pas normal. Je trouve que c'est trop bien comme ça. Je trouve que tu as une bonne pédagogie, c'est trop cool. En plus, ta voix est assez représentante. Ah bah écoute, merci. Donc là, je vais tousser pour pas vous tousser. Pour pas vous tousser aux oreilles. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Peut-être que tu trouves que je crie moins que Defund, par exemple. Je ne crie pas. Alors que je pourrais, j'ai pas de voisine. Ouais, donc là, on a vu elle ici. Donc là, elle est dans l'animation de déplacement. Et au moment où elle va passer... Ah, c'est pas vrai. Au moment où elle va passer dans l'animation de fade in, fade out, d'un seul coup, elle va réduire beaucoup trop. Pousse. Toi là. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Merci. Moi, je m'emporte rarement. Ou alors vraiment quand ça bug depuis trop longtemps que je trouve pas, mais en général, je le fais pas devant la caméra. Donc, le fade in, le fade out. Ah, mais il y a deux problèmes. Ouais, j'ai deux bugs en fait. Merci Sylvain. Dès au poste de la bonne scène. Donc, quand je suis pas sur la bonne scène, vous tapez scène. Et en plus du message qui s'affiche, ouais, j'ai une petite alerte sonore dans mon casque. Au cas où je sois concentré sans lire le chat à ce moment-là. Ouais, donc j'ai deux choses qui ne marchent pas. Quand les bulles, elles flottent, il devrait avoir une opacité de 0,5. Ah ben oui, c'est normal ça que ça marche pas, parce que c'est pas end. Non, le casque remarche. Ah, t'étais peut-être pas là ce soir-là. En fait, je l'ai laissé vider sa batterie. En fait, le lendemain matin, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sur les oreilles. Je me suis dit, bon,
On va voir. Ça se trouve, l'info comme quoi il reste qu'une heure, elle était pourrie. Et là, au bout de 20 minutes, il s'est éteint. Je l'ai laissé poser un peu sur mon bureau, puis après, je l'ai remis sur le chargeur et après, c'était bon. Il avait juste besoin d'un reset. J'avais essayé le truc de reset du casque en appuyant sur deux boutons pendant 3 secondes, mais ça n'avait rien changé. Ok, bon bah bug 1 fixé, maintenant le bug du scale. Bug du scale, j'ai peur que ça soit à cause de ça. Mais non, il n'y a pas de raison. Et le problème, c'est que ça le fait pas pour toutes. Ça le fait pas pour toutes. Parce que si encore ça le faisait pour toutes, là, sur regarde lui. Donc là, il est encore en déplacement. Ah si, ça le fait pour lui aussi. Il se met à grossir d'un coup. Alors l'autre, elle réduit d'un coup. Et lui, il grossit d'un coup. Si j'en vois une autre. Si tu passes derrière. Évidemment, celle que j'ai décidé de suivre, c'est celle qui va partir en dernier, c'est ça? Ouais, elle a sauté aussi. Elle a sauté aussi. Toi. Hop, tu sautes aussi. Toi. Ouais, ils sautent tous. Ils sautent tous. Pourquoi est-ce qu'ils sautent tous? Donc là, je dis que le scale va... Attends. Si je fais start égale 1, end égale 0. En fait, en gros, le scale, il va aller de sa valeur au moment où je passe de l'animation float. Attendez, faut que je passe. Au moment où je passe de l'animation float à fade out, je dis que le scale va aller, enfin, va commencer donc à sa valeur courante. Il va aller jusqu'à 0. Ça va le faire pendant 2 secondes. Et je pense que c'était ça qui était pas bon. On va lancer. Donc là, je génère la vidéo. Elle se génère ici. Et plein de logs. Et permet de tous les bugs. Donc là, je crois qu'elle est longue. J'ai mis combien? 40 secondes. Ah, ça serait cool que le bug soit résolu. J'ai résolu les deux bugs très vite. Ouais, donc ici j'avais mis à 0,5 mais c'était un test. Ah mais non, mais c'est pas corrigé parce que ici j'avais le problème aussi. Et merci Yanis pour le follow. Bienvenue à toi. Donc là, je la lance. Ah mais si, c'est résolu. Ils sont bien à moitié transparents. Ok. Ah, c'est cool. Et on va voir s'ils sautent. Là, je suis... Merde, j'ai pas eu le temps. Non, là, il disparaît. Oula, non, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Donc, c'était bien. End.
égale 1 et start égale 0. Ça, c'était bon en fait. Parce que là, ce qu'on voit, j'essaie d'en trouver un intéressant. Voilà, si on prend lui, là, il se déplace. Et hop. Et ensuite, ça, il regrossit. Le scale grossit. En fait, c'est la valeur de laquelle il démarre qui est pas bonne. Pourtant, c'est bien current value. Mate scale. Alors. Ça, c'était juste à titre de debug. Je sais plus du coup, je vais relancer en mode debug. On va voir ce que ça va faire. Donc là, je ne suis pas en relative scale mode. Alors bon, actuellement il a un scale de 0,6. Ça, c'est pas important pour nous pour l'instant, c'est une autre valeur. Je suis pas en relative. Je vais de afficher. De 0,58 à 0. Start 0,58 and je peux pas le zoomer ça. Et le scale, ça sera, ça c'est pas non. La différence, lui il vaut 0,1. Bon, j'ai mon scale qui commence à 0,58 et auquel j'ajoute une valeur qui sera négative. Donc il ne peut que réduire. Et maintenant, scale vaut 0,57. Donc ça ne m'explique pas pourquoi. Pourquoi on n'a pas la bonne valeur au début. Mais j'ai peut-être une autre idée. Peut-être que je suis là. Je vais ajouter un breakpoint ici. Qu'on va mettre quand l'animation elle est. Ah ben non, c'est pas fade out. On va l'appeler idée égale. Et là, je vais pouvoir mettre mon point d'arrêt et dire que je veux qu'elle s'arrête quand l'animation sera float. Et je contrôle ça sur le point de se terminer. Parce que ça se trouve, le problème, il vient plus de là. Allez, c'est parti. La joie du mode debug. On va attendre de tomber sur le problème. Normalement, ça devrait pas tarder. Il n'y a pas une section conseillée par Twiddy avec une seule source et une seule tuile. Non, mais c'est vrai, je pourrais.
pourrais. Est-ce que j'ai envie de le faire? Ok, donc je passe bien là. Bon, là, ça va me retourner des valeurs. Animation résulte. C'est chiant que je puisse pas zoomer ça. Dans animation résulte, j'ai un scale de 1. Delta scale. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Sylvain, mais je vais quand même assez souvent au Lucas ou. C'était pas évident. C'est-à-dire que avant de trouver le bug, c'était pas évident de trouver les conditions qui permettent de faire en sorte de le reproduire. Là, oui. Oui, là, oui. Pardon. Donc là, je suis sur l'étape de end. Et en scale, il m'a mis 1, mais je m'en fiche. C'est le delta scale qui m'importe. On va aller voir. Zut, je suis passé avant. Ah, c'est bon. J'avais 0,78. On s'en fiche. Donc là, je suis en relative. J'ai une scale direction de moins 1. Mon scale est réduit. Donc là, on est encore dans l'animation de flottement. La dernière étape de l'animation de flottement. Donc à celle d'avant, je suis à 0,78. Ok. C'est pas le début d'une animation. J'ai ma Attends. Scale direction vaut 0. Ok. Ouais, j'ai vu moins 1 à un moment. Ah, c'est le current qui est à moins 1. Ok. Current à moins 1. Mon delta va être le delta retourné par l'animation. Tiens. Comment il est défini le delta scale? On est dans celle-là, non, dans la flow, qui hérite de celle-là. Et comment est défini le end? Le end, c'est dur de dire. Mince. Mince. Je vais regarder animation sur laquelle delta scale point end 0,68. Ah ok, le end. Ah mais si, mais c'est le delta, je m'en fiche. C'est étrange. Donc là, je vais avoir un delta moins 0,2. Il faut que mon scale soit compris entre 0,5
et 0,95. Donc si je fais 0,78 moins 0,2, je passe dedans. Et mon scale vaut 0,52. Bon, comme le mode debug ne fonctionne pas vraiment là, je vais devoir rajouter du print quoi. Oui, Wisebot, mais c'est normal. Putain, il est déprimant, Wisebot, en fait. Est-ce qu'il faut que je fasse? C'est que le current animation ended. Dans ce cas-là, je vais afficher. Mais à chaque fois que j'ai une animation qui commence ou qui démarre, parce que là clairement c'est le cas, qui commence ou qui démarre, qui commence ou qui termine, je vais afficher son scale précédent et le nouveau. Comme ça déjà je verrai si c'est le end du float, le start du fade out qui déconne. Ah ouais, mais je sais, hein, Sylvain, t'inquiète. On peut le paramétrer, hein. On peut le paramétrer. J'avais vu ça. Non, mais j'ai plus l'habitude de 4 viewers moins 1. Il est recette où, lui? Eh ben, il est recette là, en fait. Il est à false by default. Ok. Donc. If. Is new or. Current animation ended. Faire un joli print des familles. Voilà. Non, je vais faire un print. Et on va afficher quoi? On va mettre la référence de la tuile actuelle qui est live-tile.ref. Est-ce que j'ai besoin d'en avoir autant d'infos? Non. Tile.tile.ref. Oui, c'est un nom à rallonge. Voilà. Scale, là on met lifetile.previous scale, puisque j'étais suffisamment malin pour l'enregistrer. Pourquoi ça lui plaît pas? Parce que c'est lifetile.source. Non, il veut toujours pas. Si, c'est bon. Et on va jusqu'à lifetile.source.scale. Comme ça, je verrai s'il y a un saut. Ah, il faut que j'affiche si c'est un début ou une fin. Ah oui, tout à fait. Bonne remarque aussi, Sylvain. N'hésitez pas, si vous en avez envie, dire bonjour, de présenter ce que vous faites, ce que vous aimez, développeur ou pas. Si on est ouvert à tout sujet, donc on reste dans la bonne enfance, parce que c'est quand même plus sympathique. Il faut que je mette si c'est is new ou end. Donc on va faire up new if is new else end start. Et là je vais rajouter deux espaces pour que ça pète pas. Allez, on va lancer. Et ça va être très très amusant. En fait j'aurais dû rajouter un truc ici plutôt que de le calculer à la main.
actif égale. Attends, tu frappes. Hein. Faire la différence entre les deux. Ça, moins. Tu noteras que Sylvain que il fait partie des 27. Oui, je sais, ça n'a aucun intérêt pour moi de préciser cette information. Ah, je peux virer ce log là. J'ai résolu ce bug. Bah écoute, vas-y, présente-toi. Mais moi, je te connais. Enfin, je te connais. Je connais que ce que tu n'as bien voulu dire sur chat. Ouais, donc j'ai mis end, mais ce serait bien que je dise quelle animation on est. And animation.id in fade-out. Déjà, je vais restreindre. Float. Là, on va mettre, on va afficher l'animation. Animation.id. On va afficher sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caractères. Oula, qu'est-ce que j'ai cassé? Comme ça, c'est mieux. Donc, je relance et je vais avoir le diff en plus cette fois. Ok. Donc, je sais plus trop à quel frame ça commence. Ah, on y est. Donc le start de la... Mais non! Mais oui, je suis bête. If is new animation edit égale float or and animation.id égale fade out. J'ai à peu près fini, moi, mon combat contre les millisecondes, nanosecondes. N'empêche, il n'y a pas longtemps, là, dans la semaine, je faisais un truc. Et ouais, il y avait un bout de code qui, par défaut, faisait genre 600 nanosecondes. Et avec un tout petit tweak, faisait 200. On peut se dire, ouais, c'est bon... 400 nanosecondes. Ouais, sauf que comme il est dans une boucle et que je peux afficher des centaines, voire des milliers, certes, 400 nanosecondes fois 1000, ça fera 400 microsecondes. Bah, c'est 0,4 millisecondes. 0,4 millisecondes sur 16, c'est pas négligeable. Donc je l'ai fait quand même. Alors, est-ce que j'ai des trucs... Est-ce que je l'ai lancé depuis que j'ai fait cette modif? Start float. Non, je ne l'ai pas lancé. Je vais la lancer. Et voici le moment du flou. Ne m'en voulez pas. Je reviens. Ouais, je suis là. Ouais, bah, je l'ai fait avec ta limite, hein, t'inquiète, hein. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est avec Python, c'est que quand on arrive à des bouts de code qui prennent des nanosecondes, ben en fait, c'est l'appel de la fonction qui va être plus long que le code de la fonction lui-même. Bon, dans mon cas, j'ai gagné un peu quand même, mais
Ok. Donc, que je vais faire, je vais prendre ça, je vais le mettre là. On va appeler ça log.txt. Et on va faire un grep float. Ah, ça c'est plus. J'ai mis quoi comme log? Ok, il y a tile en majuscule. Tile de log.txt vers log. Log2.txt. On va ouvrir log2. Voilà. Et puis on va le sort. Évidemment, le end commence après le start. Moins tirer, voilà. Ah, j'aurais pu n'afficher que pour les diffs assez importants. Ouais, sauf qu'en fait il n'y en a pas. Donc le problème n'est pas à ce moment-là. Le problème ne serait pas à ce moment-là. Où serait le problème donc? Oh bah, j'ai fait. Là, je vois typiquement que les diffs sont toujours très très faibles. On n'est pas du tout dans le cas du scale qui passerait d'une grosse valeur à une petite valeur. Je vais le refaire en l'affichant sur trois caractères. Point, point 3F. Ça sera mieux aligné. Là, je sais que c'est un nombre à virgule flottante. Point 3F pour afficher que les trois décimales. Ça, on va l'afficher sur trois caractères. 1, 2, 3. 3. Normalement, tout devrait être bien aligné. Voilà. On verra mieux ce qui se passe. Pascal, on peut préciser inline dans une fonction pour penser le compilateur à bloquer la fonction et pas faire un appel. Ah, sympa. Ah, c'est pas mal. J'imagine la taille du binaire derrière, si tu le fais un peu trop, mais. Tiens, la caméra est pas bien ajustée. Mais ouais, c'est intéressant comme idée. Ouais, comme des macros finalement, quoi. Ok, il a fini. Eh ben, je vais tout reprendre. Là. Et là, on remet dans log2. Oui, je vais reload. Bon, j'avais oublié le signe moins. Mais là, globalement, il n'y a que des tout petits diffs. Ben, du coup, ce que je vais faire,
Je vais rajouter un. Je vais virer ma condition là. Là, on va faire. Je vais l'afficher à chaque fois que la différence de scale est supérieure genre à 0,1. Oh pardon. José, ouais, PyCharm. C'est PyCharm que tu dis. Oui, exactement. En fait, c'est la version pour Python de IntelliJ. Ils ont PyCharm pour Python, WebStorm pour PHP et compagnie. Enfin, il y en a plein. Mais oui, oui adopté il y a 5-6 ans, un truc comme ça, peut-être un peu plus. Et je ne m'en passe, je suis pas prêt de m'en passer. Tellement. Tellement un kiff. Il s'est fait plaisir. Oui, alors au moment où on dit ça, on est en mode où il a pété un câble. Pêcheur. On va mettre la parenthèse là. Voilà. Yes. Un, deux, voilà. Et je vais afficher le frame number ici. Est-ce que j'ai le frame number à cet endroit? Et non, j'ai pas le frame number à cet endroit. Alors j'ai pas le frame number, mais j'ai la durée de l'animation. Et du coup c'est pas mal intéressant. On va le mettre après le ID. Donc la durée de l'animation, je divise par les FPS pour avoir la frame. Et faire un int. C'est ça, hein, je divise par les FPS pour avoir frame. Je suis à 60 secondes, je divise par. Non, je multiplie du coup. Si je suis à 1 seconde, je multiplie par 60 parce que. Ouais, putain. Wow. Et on va afficher sur 4 nombres. Et mon if. Je vais le changer. On va mettre if mon diff, la valeur absolue du diff est supérieure à 0,1. Alors, du coup, ça va me ficher le numéro de la tuile, si c'est un start, un end ou normal, l'animation ID qui peut. Dans certains cas, faire plus que 8 caractères. Donc, on va le limiter à 8 caractères. Le frame number de l'animation et le scale. Ok, normalement, tout est bon. J'espère qu'il y en a. Il y en a forcément. Il y en a visuellement dans le dans la vidéo. Donc après, un scale de 0,1, c'est gros. Hein. C'est 10%. C'est peut-être pas à 10%. Je vois qu'il y a des cas où j'ai eu l'impression que c'était. Il y a terminé. Et on revient. Ok, il a fini. Non, pas là. Là. Ensuite, on retrie. Et j'en ai quand même. Ok. Je viens de jeter un œil sur les licences de PyCharm, mais seulement les licences de SolidWorks ou autres.
Ça pourrait être si clair. Ouais, c'est plutôt cool, ouais. La licence perpétuelle, c'est vraiment génial. Alors, si jamais tu peux plus payer les années suivantes pour avoir une nouvelle version, bah, la version que tu as payée, elle est toujours valide. Et ça, c'est vraiment cool. Moi, j'utilise la version pro. Étant freelance, je me payais 100 balles par an pour avoir un outil qui me facilite énormément la vie. Alors, si on regarde bien, on est sur le start. Ouais, alors j'ai des animations, c'est des 2.8. Pourquoi il m'affiche 8? Il est censé m'afficher les 8 premiers caractères. Là, je prends les 8 premiers caractères. Si j'en ai 8. Ouais, c'est bizarre. Notamment si tu décides de passer sur un autre éditeur, tu peux toujours revenir sur celui-ci. Ouais, exactement. Exactement. Bon, en tout cas, on voit qu'à la haine du float. Alors, c'est très bizarre parce que. C'est ce que j'avais là, non? Ah, je m'étais trompé. C'était float et end. Fade out et new. Donc c'est bien au end. Donc tout là, tous ceux qui sont en 1. Donc c'est une autre animation où on doit passer de 1 à 0 parce que je les cache d'un coup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est bien celle-là. Donc c'est bien l'animation end. À la dernière frame. Donc la frame 600. L'animation dure 10 secondes, donc c'est bien ça. C'est bien end. Et là, j'ai un gros diff. Je vais filtrer sur Repflow. Et combien j'en ai? J'ai 117 lignes. 117 lignes sur 130 tuiles. Donc, ça trouve celle que je fais en mode debug, je tombe pas sur une qui a le problème. Alors 0,95, 0,5. Mais j'ai aussi du 905. Alors, le 0,950, c'est le max scale de cette animation. Et c'est pas logique en soi. Mais pourquoi je l'ai pas tout le temps? Et pourquoi des fois j'ai 0,5? Donc, je peux. C'est super intéressant d'entendre l'avis des pros, car en étant un info, je sais pas encore quelle meilleure idée. Bon, on va dire que l'IDE à la mode en ce moment, c'est Visual Studio Code. C'est pas du tout. J'ai pas spécialement essayé parce que j'en ai pas envie. Un truc codé en JS. Bof, quoi. Et pour moi, ça n'est pas un IDE. Enfin, c'est un éditeur de code. Qui avec plugin fait le taf d'un IDE. Voilà. C'est mon avis, je le partage. J'ai rien contre ceux qui utilisent Visual Studio Code. Je suis de la team PyCharm. En partie par le studio par passage. Mais ouais, après chacun ses goûts. Hein. Ouais, j'ai longtemps été utilisateur de Vim, donc vraiment éditeur de texte là, du coup. Mais j'ai eu énormément de mal à me mettre à PyCharm au début. Parce qu'avant, entre Vim et PyCharm, j'étais sur Sublime Text. Encore
en tant que bloc-notes, hein, finalement, ou pour coder des petits trucs. Mais ouais, pas cher, longtemps à m'habituer à son écosystème, les raccourcis clavier, etc. Mais. Ah, Sylvain. L'opinion. Peut-être qu'il faudrait que je change cette phrase ou que je rajoute le fait que c'est une blague, parce qu'on dirait que quand on le met comme ça, on dirait que tu demandes aux gens de fermer leur gueule. Alors que non. Il n'y a pas de meilleure idée, oui, il y en a juste qui sont mieux adaptés en fonction de tes projets. Exactement, personne. Il y en a qui sont un peu plus meilleurs quand même. C'est ça. Donc si je reviens sur l'autre. Ah, je vais enlever le why. Il ne sert plus là. J'ai un delta scale. Un random. Qui a une valeur min et une valeur max. Donc là, 4 fois par seconde. Mais je le fais. Je fais la vérif à chaque frame. J'augmente ou je réduis le scale. Plus sur PyScripter. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais parlé de ça une fois. Du fait que tu pouvais mixer Python et Delphi, c'est ça? VI pour Shell, AskLC, VS Code pour Java et le... Okay. En fait, moi, dès que c'est dans un projet un peu important, je le fais dans PyCharm. Dès que c'est pas un projet que j'ai envie d'enregistrer en tant que tel, en tant que projet PyCharm, je fais ça dans Sublime. Donc, par défaut, il va de 0,5 à 1,5. Ah mais attends. Pourquoi 1 là? Ça change rien mais... Je suis curieux de voir ce que l'appel à end il renvoie ici. Donc je vais... Eh ben je vais l'afficher. L'afficher. On va mettre le rajouter un end de ça. Et on va afficher. Animation results. Juste pour voir ce qu'on a. VCL for Python. Quoi VCL? Qu'est-ce que VCL? En fait, Delphi, ils se rendent compte que Python est de plus en plus important et ils se disent tiens, bah, on va pousser à l'utilisation des deux en même temps, comme ça, t'as la puissance de... Ok, d'accord. Donc, t'as la puissance de ce que Delphi fait bien, et mais tu peux faire le reste en Python. Ah, donc,
veut dire que en Python, tu peux utiliser toute la couche de UI. Voilà, c'est ça, de Delphi. Sympa. Et quand tu dis sort, donc c'est déjà là. Et ça fonctionne comment? Enfin, ça fonctionne bien, t'as joué avec? Non, tu ne m'avais pas montré ça. Voilà, ça va pas être super lisible. Alors, on va refaire ça. Log 2. Et j'ai pas ce que je voulais. Ah. J'avais pas save. Donc, par exemple, lui, il a une div de 0,3. Animation result. Scale de 1, mais le scale n'est pas utilisé. Le delta scale. Ah, c'est le delta scale qui vaut 0,3. C'est toujours le delta scale. Là, j'ai 0,2. Ah! Le 0,95 et le 0,5, c'est à cause du bornage entre 0,5 et 0,95. Okay. Ça génère des fichiers Python. Mais du coup, c'est des classes que toi, tu peux. Donc toi, tu ne modifies pas directement les fichiers Python qui ont été générés. Mais par contre, derrière, ça doit être genre des classes que toi, tu peux rebidouiller. Ah oui, tiens, ça me dit quelque chose, cette IDE fournie par Python. On en a parlé, celui qui est dans Anaconda ou un truc comme ça. C'est pas toi qui avais sorti le nom, Sylvain, une fois? Ouais, ça serait cool, ça. Ouais, bah tous les OS principaux, ce serait bien cool. Donc, ce qui est très bizarre, c'est que toutes les fois où j'ai un gros delta scale, c'est sur le end. Donc, retournons voir delta scale. Non, on va aller voir l'animation float. Non, pas là. Delta scale. Donc c'est un randomizing. J'ai pas de max si j'ai un max. Un 5. Ah oui. Un 5. Donc 0,37 max à chaque fois. Est-ce que c'est 4 fois par seconde? Ouais, mais pour VHDL par Python, tu disais que ça te générait un fichier Python. Mais ce fichier Python, jamais toi tu veux bidouiller après par rapport à ce que générait. Tu peux pas le toucher parce qu'il peut être régénéré, donc écrasé. Ah, je lui demande, je sais pas. Eh ben, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre un point d'arrêt ici. Et on va aller regarder. Que vaut end?
Alors, max value. Ah bah c'est lui qui m'intéresse en fait. Ok. Ouais, du coup, ça va être un peu long. Mais bah, chaque process va vouloir y aller. Point d'arrêt. Il est là. Non, je veux pas que tu t'arrêtes là. Voilà. Alors, min end is none. Ok. Max end is none, non? Donc tu envoies max end par défaut. Ah non, max 1 niveau pas d'homme. Ah, je suis pas sur le bon. Mince. Là, on va faire save.min and it null and save.min. Ah oui, il va s'arrêter partout. Recommencer. On va désactiver. Lui. Quoi d'autre encore? Lui. On le désactive. Et cela, je les laisse pour l'instant. Je scratch mon fiche. Bah, c'est bizarre qu'il s'y arrête pas. Pourtant, mon min end. Ah, j'ai pas défini les end. Ok. Ok, ok. Ok. On va changer la condition. Self.time per sec égale. Et on relance. Alors, tu disais. Utiliser l'interface d'affiche. Tu vois, pour changer position non couleur, mais c'est un fichier texte source de ton projet que tu peux éditer sous une texte. Ok, d'accord. Toi, c'est dans l'autre sens, enfin, entre guillemets, que tu utilises. Quel est l'intérêt d'ailleurs pour toi de d'avoir l'exemple Delphi qui appelle des sections en Python? Donc, min end, bonhomme. Max end one on. Et du coup tu appelles get value. Donc le truc random classique. Delta c'est 1.5. C'est la différence entre le max et le min. Multiplié par random. Ce qui me fait une valeur retournée de 1.08. Pourquoi ça ne me plaît pas? Pourquoi ça n'arrive que dans le cas du end? Je suis bien dans le cas d'un end. Oui, je suis bien dans le cas du end. Mais je prends pas du tout en compte ça.
save le time passé. Ah, je le activate. Ah, mais c'est peut-être ça le problème. Ah non, je n'ai pas du tout le activate ici. L'activate, j'utilise que pour le random discret. Mixé pour les vitesses de traitement. DirectX. Ah, mais oui, évidemment, NumPy et tout le bordel, évidemment. Évidemment, surtout dans ton cas. Oui, oui, après, c'est pas illogique que les gens fournissent plus de choses en Python qu'en Delphi. Quand même plus utilisé, on va dire, je pense. En tout cas, ça couvre un spectre d'utilisateurs plus large. Mais oui, évidemment, ok. Mais je suis curieux de ça fonctionne comment techniquement. Ils appellent un sous-process Python. C'est curieux du coup. Ouais. Parce que autant qu'en Python, tu peux appeler des bouts de code en C. Mais bon, c'est du code compilé. Toi, tu appelles ton Python. Ouais, mais tu vois, c'est ce que tu dis, ça reste des trucs compilés, quoi. DLL, OK, machin, ça... Comme les SO, les libs sous Linux. Mais pour Python. Vu que c'est un langage interprété. Avec une VM, certes, mais... curieux. Ah, le C-Sharp est chiant. C'est pas juste comme pour un truc en C où tu compiles et t'intègres. C'est moitié bizarre. Donc, ce qui est étrange... Ah! Ah! J'ai trouvé. J'ai trouvé. Déjà, c'est ça qui me manque ici. Ah! En fait, les valeurs, les random, j'ai fait en sorte qu'ils fonctionnent en opération par seconde, comme ça, et pas opération par frame, comme ça, si je tourne à 30 fps ou 60 fps, ça change pas les valeurs. J'ai un idiot simple pour Python, pas scripteur est quand même une atteinte. Ah ouais? Ah non, mais attends, tu disais quoi sur pas scripteur? Il est fait en Delphi, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Mais il est multiplateforme? Ah, mais j'ai pas les FPS ici. Ah, ça, c'est pas cool. Ah, et voilà, uniquement Windows. En fait, ça veut dire que dans mes easing FPS, il faut que mes start et end prennent aussi les FPS. Retourne celle point. Retourne quoi? Ah, c'est des properties en plus. Oh, je suis dans la merde. I am in the cacade. C'est une property, mais j'ai besoin d'une valeur dynamique. Ah. Alors on pourrait dire, ah bah fais-en une fonction. Mais non. Puisque ça hérite de easing base dans lesquelles end est une property, même un attribut. Thank you.
Ah ouais, PyScripter utilisé dans le lycée. Ok, d'accord. Les gens sous Linux, c'est bien. Pardon, c'est bien. Spider. Ah, mais ça me dit quelque chose, ça. On en a parlé sur le stream un soir. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Ah, il est spécialement fait pour le dev scientifique. Enfin, en tout cas, il inclut des outils pour le développement scientifique. Cool. Release Windows et macOS. Ah bah dis donc. Ah bah putain. C'est juste en gros sous mes yeux. Mais quand tu vas sur Release Page, ils fournissent pas de package. Bon, il est là. Ah oui, d'accord. C'est celui qui est intégré dans Anaconda. Ok, tu choisis pas de l'utiliser tout seul. Ok. Pour moi. Oui, ben voilà, c'est ce que je viens de voir. Impossible de l'installer hors Anaconda. Ah. Ah oui. Ouais, donc je pense que c'est plus à destination de gens qui sont ouais, pour Linux en tout cas. Enfin, pour avec Anaconda. Ouais, ceux qui sont plus scientifiques que développeurs entre guillemets, quoi. Et sous Windows, ils s'installent seul. Ouais, ils ont abusé, ils auraient pu faire un package. Très bizarre comme approche. T'as peur de pas avoir d'avoir pas besoin de toutes les features. Ouais, possible. Ouais. Mais si c'est juste pour faire du système, après, n'importe quelle IDE, t'auras beaucoup de choses. En trop, par rapport à ton besoin, je veux dire. À toi de voir. Bon, bah là, je suis bien embêté. Je suis bien embêté. De l'IA, ouais. Bah, comme c'est orienté scientifique, en plus Anaconda, je dirais que ça peut être intéressant, puisque tu vas avoir toutes les libs intégrées, mais comme disait Sylvain, tu vas avoir sous Linux en tout cas des versions de NumPy et OpenCV qui sont fixes. Je ne sais pas si tu peux les changer. Là, je vais devoir faire un truc que j'aime pas. Ah. Et pour le random discrète. Même si j'ai pas mis de end. Oh, ben là. Ah si, elle est obligatoire, elle peut pas être nan, ok. Donc là, je vais devoir faire un truc. Il faudra vraiment, après le rush, que je réécrive au début. Hein. Alors, on va faire un raise run numéro 1. Canopy UZ use
self.class.name use.get and fps. Et là, def get and self et fps. Non, c'est un int. Et là, on et pareil pour start en fait. Pourquoi ça m'a jamais posé de problème? Pourquoi ça ne m'a jamais posé de problème? Pareil là en fait. Value. Tu peux changer en ayant un autre envoi. Ok, d'accord. Ah ouais. Ah mais j'y pense. Du coup, le raid de défendre, il a fait comme il fait des fois. En mode, on va aller raid un dev avec peu de viewers. Ah bah j'ai eu du bug. J'aurais été dégoûté si j'étais resté sur son stream jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est déjà arrivé, hein. J'étais là en mode, putain mais moi non, d'habitude c'est moi qui stream à cette heure-là. Ça fait plaisir en tout cas. Ça fait plaisir en tout cas. Bon, et ce get value. Ok, il utilisait que la min start, max start. Et min end, min end. Je me rappelle quand j'ai écrit ce code. C'est au moment où l'animation de flottement, je l'écrivais. Qui a été basé sur du 60 fps et qu'il a fallu que je l'adapte. Du coup, j'ai pas trop réfléchi. Voilà ce que ça donne quand on réfléchit pas trop. C'est quoi le delta? Le delta, c'est max value moins min value. Et get value, min value plus get delta for random. Mais il faut que je le divise par FPS. Ok. Du coup, pour le start, on va avoir la même erreur. Et là, on va gérer la propriété. Renommer en get start. Va prendre des FPS. Alors, on divise par FPS. Et on divise par FPS. Non, mais non, en fait. Rien ne va. Rien ne va. C'est pas juste ça, ni juste ça, ni juste ça, ni juste ça. C'est le résultat complet que je dois diviser par FPS. Ben bravo champion. Bravo champion. Hein? Égal et on return value divisé par FPS.
Par contre, un des effets. Peut-être que l'animation démarre plus doucement. Il faudrait que j'adapte les valeurs, mais on verra. Ça se trouve, ça le fait. On lance. Bah non, on lance pas. Puisque je n'ai pas appelé. J'appelle toujours and et get and. Animate.and. Animation.and. Oh. Ça veut dire que là, il faut que je passe aussi des FPS. Du coup, animation.1 prend des FPS et animation.start. Ce qui n'était pas déconnant, hein. Si le is prend des FPS, il n'y avait pas de raison. Et là, tu me dis quoi? Tu me dis rien. Ouais, tu regardes les 5-7 dernières minutes de live de F1, car c'est pour ça que je t'ai dit de mettre un live. Ok. Mais ouais, j'ai coupé a priori pas longtemps avant, parce que. C'est pour ça que j'étais en retard, c'est parce que j'étais sur son live. J'ai arrêté quand le reportage s'est fini. Comme j'étais déjà bien à la bourre sur l'horaire que j'avais prévu. J'ai pas encore regardé la suite. Ok, bah ouais, bah je regarderai. Sûrement vers 4 h du matin. Ah oh, bordel. Ok. Ah mais j'ai pas un endroit, un truc. Oui, j'avais déjà un truc comme ça. Ah bah faut que je refasse ce que j'avais fait ici. Call easing. Là on va l'appeler call start. Oui, ben, il n'y a pas trop de vidéos montrées hein, aujourd'hui. Call easing, donc ça appelle easing, donc call start. Easing base. Alpha, il n'y en a pas. Là, on appelle. Point start FPS si c'est un easing FPS else on retourne easing point start et là c'est pas start c'est get start ok et là tous les points start là, on va faire quoi? Hop. Self.call start de ça. On vire start et on passe le FPS. Sacha est sur un live, il est pas sorti un petit absent, il disait qu'il allait revenir sur ça. Ok. Voilà, merci de m'avoir prévenu, c'est super cool. Super cool. Donc ça s'est joué à quelques minutes. Du gâcher à gâcher. Tant mieux pour mes poumons, vous me direz, mais j'ai dû écraser une demi-cigarette. À 10-20 secondes plutôt. Avec genre quand je me suis remis vraiment. Ok, ah oui. Bah, merci beaucoup. Easing get start.
Vas-y, in-game FPS. Quoi, action j'ai fait encore. Mais ouais, mais t'es chiant. Ok, je sais ce que je vais faire. On va faire du duct typing. Azatre. Get start. Tiens. Comme ça. Content là? Peut-être 19. On arrondit. CF discussion de qu'on a eu sur Discord dans l'après-midi. Les fameux arrondis des 0.5. Un rune de 19.5. Ça fait 19 ou ça fait 20? Parce que si on réfléchit bien, 19.5 n'est ni plus près de 19 ni de 20. Donc moi, je maintiens que ça devrait lever une exception quand on fait ça. Quand on fait rune 19.5. Voilà. Parce qu'il prend une décision à notre place. C'est pas forcément celle qu'on veut. Une décision qui est différente en fonction des langages en plus. Et je vais faire pareil pour call end. Alors on remplace tous les start par des end. Et là, tous les end. Self.call and self opacity, enfin self module, et on passe les FPS. Tu te répètes, Wisebot, tu te répètes. Ok, donc normalement, j'ai pas à aller le changer plus bas. Allons voir. Allons voir ce qui se passe. C'est long, 40 secondes. J'aime bien. Ah, pardon. Bon, c'est terminé. On va aller regarder la vidéo. Et on va voir si on a encore le problème. On va la regarder en entier pour se faire plaisir. Ah oui, c'est toujours l'opacité 0.5. Faut que je change ça. Ah, je vois le problème. En effet, elle ne démarre plus très vite quand elle bouge. Leur déplacement, mais c'est normal, j'ai divisé par 60 là-bas. Là. Donc je vais aller corriger ça. Ok, j'en ai vu plusieurs partir et elles partent correctement. Ok, bon, on va les modifier. Ah. Ça doit être ça. Le moving delta speed. C'est la vitesse à laquelle on démarre. En nombre de... En nombre de...
pixels par seconde. Je vais faire comme eux, comme les autres, on va faire x60. Comme je l'avais préparé pour 60 fps, je vais faire laisser le x60. La preuve, on voit, hein, je l'ai bien ici pour le moving delta angle. Donc je lance. Ce qui est sympa, c'est qu'à un moment, elle se dirige sur la position de la grille, elle me rappelle. Ouais, mais ça, on en a parlé tout à l'heure. Avec mon niveau de maths, je suis pas capable de le faire. Ce serait bien, oui, d'imaginer une jolie courbe, naninana, mais. Mais non, là, clairement, j'ai eu le DA de la boîte. Et il voulait un truc moins. Enfin, plus calme en animation. D'où le fait que. Alors, typiquement à ce moment-là qu'elle, en fait elle attends je recommence okay. Il est bugué donc elle flotte ensuite elles disparaissent et quand elles disparaissent elles apparaissent à leur position finale mais sans déplacement enfin sans déplacement visible le déplacement il est derrière. Donc la grille se remplit petit à petit. Moi j'avais fait une proposition un peu différente. Comment je vais retrouver cet échange? Non, c'est pas là. Attendez, je cherche. Ah, je peux pas la retrouver ou quoi? Si c'est bon. C'est celle-là. Bon là, j'avais pas mis l'opacité à 0,5. Et en fait, voilà, là, j'avais gardé le fait qu'elles arrivent sur le côté. Moi, je trouvais ça plus sympa. Mais un DA, ça a toujours raison. Non, mais la vidéo de fond, ils vont la changer. Bon, ça va être la même, mais améliorée, quoi. Mais moi, j'y touche pas. Enfin, c'est le... Genre, j'ai fait part du message, mais ils voient, hein. Après, c'est leur problème, tu vois. Mais moi aussi, hein, ça me gêne, hein. Je trouve pas ça naturel. Attends, je vais remettre... Si je vais les mettre 0,9 et pas 0,5 comme opacité, je la relance. Et on va voir ce que ça donne. Oui, mais bon. C'est pas ma responsabilité. Moi je dis vous me donnez la vidéo que je mets en fond, je mets la vidéo. Je prends pas. Je joue pas à ça. Mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Il faut que je fasse. Faut que je coupe au début aussi, parce qu'elle clignote au tout début, je crois. En fait, il y a deux. Elle boucle deux fois. T'as un clignotement au début à la fin et un clignotement au milieu. Non, non, quelque chose va pas là.
Là, ça va, mais... Il y a un truc qui va pas. Déjà, elle part tout à droite. Donc ça, non. Ça, c'est non. Elle part tout à droite, pourquoi? Bah ouais. Parce que là, il faut que ça soit... Oui, en effet. Ah non, c'est une vitesse. C'est l'angle qui va pas. Si, l'angle de démarrage, il est entre moins 0,2 et 0,2. Oh là 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 là. L'angle initial entre 0... Ah! Ah, et merde. Ah oui, lui aussi, il est... Ceci dit, c'est Moving Initial Angle. Alors là, je peux... tricher. Non, parce qu'il me faut une valeur de start. Ça, c'est une variable qui est utilisée que au démarrage. Bonsoir Gérard Xera, et merci pour le follow. Ça fait bien plaisir. Voilà, j'ai utilisé un randomizing, mais je l'utilise que au démarrage. M'en sortir en faisant ça, mais juste pour faire marcher le truc, comme de toute façon il faudra que je réécrive ce truc là. Mais c'est clairement pas du tout ce qu'il faut que je fasse. Il faudrait que j'ai un autre random. Soit pas basé sur les FPS justement. Genre random range ou quelque chose comme ça. Là, au lieu de le dire, je pourrais être en train de l'écrire, hein, évidemment. Mais déjà, je vais vérifier que ça fonctionne. Ça, c'est mes angles, ça, c'est ma vitesse. Elle est finie. On regarde. Hop là. Ah mais dégage toi. Deuxième soir avec un spammer. Ces gens. Et l'autre, c'est Alguilière. Panne. Ça, c'est fait. Oui, donc j'étais en train de regarder cette vidéo. Elle démarre trop vite. Démarre trop vite. Est-ce qu'elles font des grosses accélérations? Mais là, ça bouge beaucoup trop vite.
Elles partent bien dans tous les angles. Ouais, c'est bon. Mais oui, elles démarrent trop vite. Donc je vais les faire démarrer entre 0,1 et 0,5 pour moi. On relance encore. Encore 40 secondes d'attente. Là, il se fait 2 heures. Là-bas. Bon, ben, j'aurais corrigé les deux soucis. D'ailleurs, je trouve que le... Bah, tant pis. Alors... Ouais, mais là, ça bouge plus assez, du coup. Et quand ça bouge pas assez, ça tremblote. Ça démarre plus vite. 0,2, 0,8. J'avais entre 0,5 et 1,5 pixels par frame. Donc 1. 60 pixels par seconde. Pourtant, ça avait l'air vachement rapide. Mettre 0,3 et 1. Et je vais réduire l'opacité. J'ai mis à 0,9, je vais mettre 0,8. Et c'est reparti. Ainsi que le flou. C'est bon. Ah, où est ma vidéo? Ah, elle est pas sur le bon écran. Alors. Ouais, 0,8, c'est pas mal. On voit un peu ce qui se passe derrière. L'opacité. Ah bah j'ai même pas été choqué par leur vitesse de démarrage, donc c'est qu'elle est bonne, on est bon. Les vitesses sont ok. On est dans le même genre de vitesse que les... Un peu plus lent que les pastilles vertes là. Les étoiles vertes, je sais pas quoi. Ouais, c'est plutôt cool. Bon, un problème résolu. Je vais juste revoir.
avec l'opacité du coup. Quand les autres elles pop. Ouais, c'est plus bon, bien. Un problème de plus en moins. Pas mal. Ou un problème de moins en plus. Ou un problème en moins de plus. Ou un problème en plus de moins. Ça, on peut mixer dans tous les sens, ça marche. C'est cool. Alors le DA. Le DA, c'est directeur artistique. Ceux qui n'ont pas la ref. Enfin, ils connaissent pas le mot. C'est un DA, UX, bon, bref, il touche à tout ça. Il m'a dit, ça serait bien que quand la vidéo avance, quand les tuiles commencent à être positionnées sur leur grille finale, les petites particules vertes qui volent derrière, elles soient moins visibles. Donc, sauf que le problème de ça, c'est qu'il me faudrait un layer d'opacité que je mettrais entre le fond et les tuiles, mais que c'est ce layer d'opacité, il faudrait que j'anime son opacité. Genre jusqu'à. Genre, ça serait un layer d'opacité noire qui aurait une opacité de 0 au début. Et une opacité de 0,9 par exemple, 8 à la fin. Ça, c'est bien. Le layer d'opacité, je l'ai. La capacité de l'animer, je l'ai pas. Puisque tout est à peu près tout ce que j'ai animé, j'ai fait pour animer des tuiles, moi. D'ailleurs, ça s'appelle pas Tile Animation pour rien. Après, c'est qu'un nom, hein. Ça peut se renommer en animation en quelques secondes. Problème que je peux avoir, c'est ça. Ça s'apprend un truc qui s'appelle Tile Rectangle, mais ça pourrait être. Comment on appellerait quelque chose qui peut être animé quand c'est pas une tuile? Un object? Non, object, c'est pas bon. En vrai, dans tout le truc d'animation, bon après, non ça c'est les presets. Non, pas frame. Enfin, en fait, la frame elle a déjà un sens dans le projet, c'est chaque frame une frame par seconde, tu vois. Mais ça peut être soit une tuile. En fait, en gros, n'importe quelle. N'importe quelle chose animable. D'ailleurs, ça pourrait même être le fond vidéo. Je pourrais avoir deux fonds. Je pourrais un fond noir derrière en couleur fixe et un fond vidéo. Et c'est sur la vidéo que je rajoute. Là, je change son opacité. Elle devient de plus en plus claire à la fin. Sur le fond noir, ça ferait l'effet voulu. Et par exemple, dans un mode où j'aurais. À un moment, j'avais imaginé que là, on pourrait avoir sur le côté, pas dans cette animation, mais dans le projet final, des tweets sur un hashtag particulier qui monte. Ben, ça serait un objet. Mais comment. Anything animation. Donc, tu vois, que ce soit un tweet. Tuile ou un objet complet, c'est un objet qui peut être animé, c'est une surface. Mmh.
Non, pas anything. Non, mais au pire, c'est animation, mais c'est pour ce genre de variable. Parce qu'après, il y a aussi l'endroit où... Là où ça va pas être drôle, c'est que déjà, au début, il n'y avait pas d'animation. Ensuite, il y a eu les tuiles qui avaient leurs animations. Maintenant, j'ai bougé les animations au niveau du layer avec un moyen de synchroniser. J'ai prononcé ce mot bizarrement. De synchroniser les tuiles dans leur progression, dans leur animation. Mais si en plus, faut que je synchronise les animations de plusieurs layers. Ça va être compliqué. Après, je suis pas obligé, hein. Là, le temps, je le connais. Là, la première, elle fait 2 secondes. La deuxième, elle fait 10, elle fait 12. Ça fait 2, ça fait 14. 14,05, celle-là, je peux même la réduire. Voilà, je pourrais faire que ça réduit progressivement à partir de la 10e seconde. Sans faire de vrai synchro. Après, on pourra faire des choses plus avancées quand il y aura le système de séquence. Mais on n'est pas encore là. Parce que là, si je veux rajouter les animations sur un autre type de layer, animate, animation. C'est toute cette partie-là. J'ai animé, résolve. Ouais, mais voilà. Tout ça, c'est lié à un objet tile. Clairement. C'est l'objet qui est synchronisé. Si dit, il faudrait aussi le synchroniser. Donc là aussi, il faudrait renommer le tile en autre chose. Il faudra un mot plus générique. Mais je suis pas du tout dans le graphisme à moi, donc pas quel nom ça peut avoir. J'ai pas envie de mettre composant. Oui, je leur ai dit. Ce que j'ai dit à Mathieu, enfin le DA, je lui ai dit le plus simple à ce niveau-là, c'est de faire une vidéo. Une vidéo qui fait l'effet voulu. Le problème étant que mes vidéos bouclent, donc faut qu'il la fasse de la bonne durée pour pas qu'elle boucle. C'est pour ça que c'est plus pratique. Il y a moins de mauvaises surprises. Si je le fais moi de mon côté. Et pour une autre raison, c'est que c'est un truc qu'il faut que je rajoute, que je ferai peut-être demain. Ils veulent que au début, il y ait juste le fond vidéo. Et que quand on appuie sur une touche, enfin, moi, c'est moi qui serai aux commandes de ça. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ah, c'est pas con, putain. Ouais, c'est-à-dire que je résous le problème sans rien coder. Je le ferai plus tard, mais en attendant, ouais, c'est une solution. C'est une solution pas conne du tout. Toujours plein de bonnes idées, toi, hein. Ah ouais. Non, Cloud. Dimitri me monte la machine demain.
pas bête du tout l'idée de la vidéo. Mais ça résout pas le problème que j'ai. Du coup, que j'étais en train de dire. Et au début, voilà, on a la vidéo. On a la vidéo comme ça qui tourne. Et j'appuie sur une touche. Et là, les animations commencent. Donc ça veut dire qu'il faut qu'en appuyant sur cette touche, il faut que je gère aussi le départ de mon de ma vidéo. Mais dans tous les cas, de toute façon, il faut que je le fasse. Même si je rajoute un layer intermédiaire. Le problème, c'est que cette vidéo, donc qui va être... Ben non, mais ça marche pas en fait. Ça marche pas parce que ça voudrait dire qu'il faudrait une vidéo transparente et ça, je connais pas, tu vois. Non, ça marche pas. Je peux pas le faire. Moi, je gère. Je sais pas quel est le décalage entre moi et le chat, mais à chaque fois, tu dis les trucs. J'ai l'impression que tu dis les trucs trop tard, mais voilà. Le problème, c'est la transparence. Ouais. En vrai, quasiment tout ce qui est là-dedans ne peut servir à autre chose qu'une tuile. C'est-à-dire, je pourrais avoir à faire une classe un peu plus générique, une classe qui serait prête, qui hériterait de celle-là pour les tuiles. Ici, ça sert que pour les tuiles. Ça aussi. C'est dans le cas des ghosts. Est-ce que je m'en sors encore? Ah oui. Je m'en sers quand... quand je crée un ghost sur un compositeur. Le compositeur, il reçoit les ghosts et ça lui permet de savoir quelle tuile ça remplace. Je vais dire top et clapper des mains en même temps. Top. Mais ça, c'est lié à l'animation. Ah, il fallait que je compte le temps entre les deux. Tu l'as dit. Est-ce que tu as dit top quand tu as entendu le mien? Ok, on va le refaire parce que du coup, j'ai pas compté. Top. Non, attends, je vais le refaire avec. J'ai un chrono qui va mieux compter que moi. 1, 2, 3, top. T'as dit spam quand j'ai dit top en claquant des doigts? Passer 14 secondes. Beaucoup. Trop de fois top dans le chat. Ah ouais? Ah genre ouais, la répétition d'un mot unique. Eh ben on va dire tomate. Ouais. Moi je dis top, mais toi tu. Non, je dis tomate et tu dis tomate quand tu l'entends. 1, 3, tomate. Entre 6 et 7 secondes. Beaucoup quand même.
Pardon. Ouais, donc la plupart de ce que j'ai ici est lié aux animations. Hein. Donc pas ça. Mais tout ça, ça peut être utilisé pour les animations. Sauf que loin dans le code, il n'y a que pour les tuiles que je gère. Puisqu'il y a l'opacité, mais ça peut se gérer. Je vous laisse 2 minutes. Je vais chercher. Et vider aussi. RE. Un facteur de vidéo, tu dois avoir des options de gamma ou de multistate. Alors, ce que je disais, non. Je ne connais pas la séquence d'init dans le sens où il y a un délai X entre le moment où le truc commence. On va choper les connexions des gens. Et le moment où l'animateur, c'est pas l'animateur du coup, mais je sais pas comment ça s'appelle, la personne qui gère sur le plateau me fera le signe comme quoi c'est à ce moment-là que je dois appuyer. En fonction de comment l'animateur dira, bon, bah, on va voir si des gens sont connectés. Et hop, il va se tourner. Au moment où il doit dire ça, moi, je dois appuyer sur la touche pour que le truc apparaisse. Chose que je n'ai pas encore aujourd'hui. Du coup, je connais la durée
Mais je la connais aujourd'hui, mais ça se trouve, dans 3 jours, on va me la faire changer, tu vois. La durée de l'animation, à partir de ce moment-là, jusqu'à la grille, la durée, je l'ai, certes. S'il me la change une journée avant, enfin, je vais pas refaire la vidéo 50 fois. C'est peut-être plus simple. Moi, je viens de penser à un hack énorme. Je viens de penser à un hack énorme. Aujourd'hui, il n'y a que les tuiles qui ont la gestion des animations. Qu'est-ce qui m'empêcherait d'avoir une tuile rectangulaire de la taille de l'écran? Trop tard. Et dans lequel je mets la vidéo. Il me faudrait quand même un autre layer. Puisque... Le layer de la mosaïque, il a sa propre gestion de source de vidéo. Mais rien ne m'empêcherait d'avoir un autre layer. Un layer avec des tuiles, mais avec juste une tuile. Oui, ça pourrait être aussi une énorme tuile intermédiaire, mais autant utiliser... En fait, soit c'est une tuile intermédiaire. Qui est noir, je fais gérer l'opacité. Et derrière, j'ai la vidéo de fond. Soit derrière, j'ai un background noir et c'est la vidéo de fond qui est une tuile intermédiaire que je fais gérer, dans laquelle je fais gérer l'opacité. Ça marche dans les deux cas. Mais ça fait moins de boulot au GPU puisque si c'est sur la vidéo que je le fais. Je réfléchis si... Je réfléchis. De toute façon, il faudra quand même que je trouve un moyen de synchroniser. En gros, c'est plus ou moins mon système de séquence qu'il faut que je fasse. Première séquence, j'ai que la vidéo de fond. Et rien d'autre. Deuxième séquence, j'ai la vidéo de fond, un layer qui permet de faire en sorte que la vidéo se pacifie avec le temps, enfin, se transparencise avec le temps. Et un layer avec la mosaïque. Du coup, je me demande si tu fais que tu mets la vidéo dans une tuile, tu pourrais faire arriver la vidéo par une émission. Oui, mais ça, c'est pas le but. Ce que je ferai à terme, c'est que j'adapterai proprement le système d'animation pour que ça marche pour tout type de layer, de contenu de layer, quoi. Mais là, eux, ils vont pas vouloir une animation qui arrive. Ils veulent que ça soit le moins. Ils sont pas habitués. Ouais, c'est trop violent. Les animations, ils sont habitués à des rectangles sans vie. D'ailleurs, au début, il devait y avoir cette animation de démarrage. Et ensuite, à différents moments sur le plateau, la VA devait changer. Et ça devait être les différentes... animation d'arrivée, comme on peut voir derrière moi là tout de suite. Finalement, ça, il simplifie cette partie-là. Il n'y a pas d'arrivée, c'est juste directement la grille positionnée. Sais quoi? Je suis vraiment en train de me demander si je vais pas trouver un moyen d'implémenter Viteuf, le vite fait à ma façon, hein.
le système de séquence. Parce que de toute façon, je vais avoir besoin d'avoir un moyen de dire il y a une interaction humaine et on change un peu ce qu'on affiche. Et en plus, les autres moments sur le plateau où ils vont afficher des grilles différentes, pour l'instant, l'idée jusque-là, c'était CTRL-C et de relancer, puisque j'ai quelques minutes de battement. Mais si j'implémente le système de séquence, je peux tout gérer. J'ai plusieurs séquences. J'ai ma séquence d'init. C'est juste la vidéo de fond qui tourne. Bon, pas la séquence d'init, la séquence de pré-init. Ensuite, j'ai la séquence d'init. Donc, c'est cette animation-là. Et ensuite, j'ai leurs différentes séquences. C'est ça. Je sais pas si c'est facilement faisable dans la façon dont c'est codé. Run Compositor. Alors, non, c'est pas là. Là, je fais quoi? Au niveau du compositeur, c'est pas forcément compliqué. Puisque là, j'ai ma boucle while true, en gros. On va juste que je resette le frame number. Pas tout péter. Tu vois mes presets que j'ai fait, que j'avais fait dans le mode j'ai juste des tuiles et un fond fixe, mais bon, ça c'est pas grave. Il suffit que je fasse une liste de presets. Là, je fais in live layer qui lui vient de make layer, mais il suffit que make layer ça fasse des séquences. Chaque séquence c'est une liste de layers et un moyen de. Je pense que c'est pas si fou que ça. Puisque rien n'empêche, a priori, strictement rien n'empêche de Mosaïque d'utiliser les mêmes sources. Je peux avoir une Mosaïque différente en séquence 5 qui utilise les mêmes sources que la première Mosaïque. Je crois que je vais partir là-dessus. Ça résout plusieurs problèmes. Enfin, ça résout un. Deux. Et ça résout le problème de la vidéo qui doit fade avec le temps. Parce que là, je peux très bien leur dire à la vidéo de fond. La séquence 2, elle dure 15 secondes. Bah, donnez-moi une vidéo qui fade au bout de... un fade au noir au bout de 10 secondes. Jusqu'à 15 secondes. Ça, c'est eux qui gèrent l'effet. Et en plus, c'est une étape vers la suite, mais clairement.
plutôt que de bidouiller pour faire rentrer les choux dans les carottes, ce que je commence à bien savoir faire. En vrai, je suis vraiment en train de me dire que j'ai pas forcément beaucoup de choses à changer. Juste que je trouve le moyen d'interrompre une séquence. Mais au début, je vais pas le faire. Ça passera à la séquence suivante. Quand la séquence précédente, ben, la durée des animations est terminée. Et si on regarde dans mon preset, certes, j'ai mis vidéo duration 40 secondes. Là, faut que je le vire de là. Et là, tile animation, sa durée, elle n'a pas de durée max. Ah bah si, 2. Ah oui, et à la fin, il n'y a plus d'animation, donc on reste sur la grille. Mais si je mets ici... mais dans le preset, voilà. Ici, je mets une condition de fin. Condition de fin de la séquence. C'est au bout de 30 secondes ou sur appui de la touche G. Et du coup, grâce à ça, si par exemple, je me fais un prompt. Je tape un numéro de séquence, je peux facilement aller à la séquence que je veux. Si pour une raison ou une autre, le live, le truc a foiré, ils veulent remettre la séquence d'init, ben, au prompt, je fais S0 et on revient à la première séquence. Voilà les presets. Aujourd'hui, un preset, la seule chose qui gère, il y a un facteur en moins pour plus tard. Ouais. Aujourd'hui, le preset, il sait juste gérer une vidéo avec avec des mosaïques. On définit quel type de grille, les paramètres de la grille, paramètres de la grille, paramètres de la grille. Ah, le progressive zoom, ils m'ont demandé de réussir à le faire marcher. Et le progressive zoom aujourd'hui, quand on l'a codé il y a 2 semaines, pardon. Ouais, il était activé en permanence. Là, il faudrait que je l'active uniquement pour certaines étapes. Pourquoi ils veulent le progressive zoom? Parce qu'ils ont peur que si finalement on n'est que 30 personnes qui se connectent, on arrive à une grille dans cet état-là, mais sans personne autour et que ça bouge pas. Alors qu'avec le progressive zoom, bah, du coup, ça prendrait plus de place. Mais bon. De toute façon, il me faut le système de séquence et il me faut l'équivalent du progressive zoom. Mais ça pourrait être pour demain. On va voir le progressive zoom quand même. Ouais, mais à ce niveau-là, je suis pas encore dans une animation. Enfin, je sais pas que je suis dans une animation.
Ah, mais si j'associe. Parce qu'en fait, le progressive zoom, il faut pas que je le fasse fonctionner à ce moment-là. Bah, grave. Pour l'instant, on a 700 personnes inscrites, mais on sait jamais. Hein. Ouais, le progressive zoom, il faut pas qu'il soit actif dans cette partie. Et en fait, il faudrait qu'il soit. Ah putain, c'est la merde. En fait, il faut qu'il soit actif que pour la grille. Sauf qu'en ce moment, moi, la façon dont le progressive zoom il est codé, c'est bah là, on va faire un zoom autour de ça. Donc l'autre idée, ça peut être de l'activer quand il n'y a plus personne qui tourne. Donc ça serait genre la séquence où tout le monde tout le monde s'est mis en grille. Là, on active le progressive zoom. Attends, je vais le faire tourner avec 30. On va pas mettre de reuse. On va mettre que 30 vidéos. On va voir tout de suite là, ce que ça fait. Ah ça, Sylvain, toi qui étais là à l'époque où d'avant aujourd'hui, j'ai recodé le système comment dire, comment je calcule le nombre de nouvelles tuiles qui arrivent par frame. En fait, c'est défini en nombre de tuiles par seconde, qui est par défaut est à 1, mais on s'en fout. Ça peut être donc soit un in, soit un callable. Et en fait, le callable, j'en ai fait un où tu mets new tiles par seconde 10. Et ça va faire que sur une seconde, il y a 10 tuiles qui vont être affichées. Et pas à intervalle fixe. Il y a du random. Sinon, c'est trop fixe. Ça, c'est cool. Et je peux le définir par animation. Et si dans une animation, il n'y est pas, on va prendre celui au niveau du preset. Et puis, ça permet de dire, dans la première animation, on veut qu'ils apparaissent, qu'il y en ait 5 par seconde, mais plus tard, on monte à 20 par seconde. Ouais. J'ai fait ça cet après-midi. Ah oui, je voulais regarder ce que ça donnait en le lançant à 30. Normalement, je l'ai lancé. C'est sûr que si leur mosaïque. Attends, ça a sauté ou ça non? Merde! Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, j'ai retiré l'affichage du numéro de frame. Je le vois pas en passant en frame par frame. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est sûr que s'ils ont que ça, l'effet, il est pas ouf.
Il faudrait pouvoir un truc du genre. Au bout de tant de temps, s'il n'y a que tant de tuiles d'affichés, on active le progressive zoom. C'est-à-dire qu'au début, on serait comme ça. Alors là, ça se remplit doucement. Toc, 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 toc. Ou alors, voilà, faut que je le fasse autrement. Mais ça veut dire qu'il faudra que je réécrive le zoom. C'est-à-dire que là, je vois que j'en ai que 30. Là, j'en ai que 30 et du coup, là, je les affiche directement grossis. Sauf que c'est infaisable sans refaire plein de choses. Ça. Alors moi j'avais bien aimé tes vidéos, c'était lent. Bon, écoute, je vais leur proposer. Vais leur proposer, on verra. J'ai un point à 14 demain. 14h. Les points vont commencer à se rapprocher. Normal en même temps. Mais le fait de plus avoir la deadline de mercredi demain, quoi. Mardi maintenant. Ça m'a enlevé une petite pression sur les épaules. Parce que là, je suis très confiant. Pour faire tout ce que j'ai à faire d'ici le 21, je suis largement confiant. Ça, c'était plus compliqué. Là, je réfléchis pour le progressive zoom. Le problème, c'est que je le calcule après l'animation. Or, là, il faudrait que je le calcule avant l'animation. Parce que progressive. Ouais, voilà. Les animations, elles sont calculées dans Update Source. C'est ensuite que je fais le progressive zoom. Je peux peut-être le faire ici. Parce que là, les tuiles, elles sont pas encore redimensionnées. J'ai juste leur nouvelle position et leur nouvelle taille. Et je pourrais avoir un truc qui dit. Ok. T'as tes tuiles. Alors par exemple, on active le progressive zoom si on a moins de 50, par exemple. La conf, on dit moins de 50, on affiche. Et une fois que j'ai calculé leur position dans la grille là. Dans l'animation grille, ben je dis, je réfléchis à haute voix, je dis ok, on active le progressive zoom. Et là, du coup, je ne prends que les tuiles de la grille et je n'affecte le zoom que pour ces tuiles-là. Ce qui fait que les autres continuent à voler et celle-là arriverait plus grosse. Donc je zoomerai pas exactement autour des 4, mais non, bah par exemple autour des 50. Je sais que je vais en avoir 50, donc je limite à la taille pour les 50. Ah, là, tu as ton séquenceur. Pourquoi pas plusieurs touches? Ah ouais, je réfléchis.
réfléchis. Le problème, c'est que les séquences, ça va être des layers et des séries d'animations différentes. Or, là, les animations, tu vois, de celles du fond vont continuer. Mais c'est vrai que ça serait pas idiot, de façon générale, de pouvoir contrôler ça. Ouais, bon là ça sera 160 le max. Ce qui moi me va très bien. Je sais qu'au niveau de ressources, au niveau des ressources, je suis largement tranquille. En plus là, il va me prendre une machine 32 cœurs. Un GPU un peu moins puissant que le mien, mais ça ira. Bon, sachant que les 32 cœurs, il y a aussi la gestion du WebRTC dessus. Ça va, il est codé en async. Tiens plutôt bien. En fait, au lieu d'avoir live layer progressive zoom, il faudrait que j'ai live layer point current animation progressive zoom et qu'au lieu que ça soit juste un boolean, ça soit une config, tout ce code là, tiens, j'ai viré une partie. Ah oui, c'était la partie zoom pixel par pixel qui marchait pas. Maintenant, location de debug, t'imagines, relation avec là, j'ai pas compris. Location de serveur, tu veux dire? Ah non, combien de temps le serveur va être loué Non, regardez, on s'en fout. De 2 euros de l'heure la machine. De 3 euros. Quand c'est juste quelques heures comme ça ou quelques jours, c'est pas bien grave. Lui, demain, il me la monte. Enfin, il me la monte. Et de la config sur AWS. Ouais, du coup, on a trouvé une offre AWS qui correspond à ce qu'on a besoin. Et nous, ça nous arrange parce que ils vont peut-être avoir un gros gros bon d'achat en aide de je sais pas quoi sur AWS. Et on est déjà tout sur AWS, donc c'est plus pratique. Donc ouais, du coup, il m'installe le bordel. Avec un OS, un Linux, un Debian ou équivalent qui a les drivers Nvidia et CUDA. Hey! Salut HTML5, PHP. Transform Zoom Scale Random if patate. Ouais, c'est le code du Progressive Zoom. Comment tu vas? Eh ben, on a un peu. On se rapproche de l'event du 22. Donc, attends, je vais la redémarrer. Donc, on s'approche de leur animation finale. Ah oui, mais mince, c'est la version 30. Attends. Allez, faut que j'aille sur celle-là. Ah oui, d'accord, tout en haut. Voilà, là on est sur ça là. On est sur ça comme animation. Un peu différente de ce que j'avais les derniers jours. Mais on se rapproche de ce qui va être utilisé lors de l'événement. Et oui, toujours à coder. Ouais, il est que 3h moins le quart, ça va. Commencé il y a 3 heures.
Donc voilà. Et ce qu'ils aiment bien là-dedans, c'est que l'apparition de la grille, elle est discrète. Elle n'est pas aussi violente que l'autre animation que j'avais faite. Mais au bout d'un moment, on réalise qu'il y a la grille. En fait, on la voit pas arriver. Et en fait, elle est là, mais elle n'est pas là complètement. C'est ça qui est assez cool. À 3h, tu vas te coucher. Ouais, je vais pas tarder non plus. Je vais essayer de pas trop me redécaler. Mais ouais, ça rend pas mal. Mais sinon, moi, je leur avais proposé quelque chose un peu plus violent. Attends, je vous la retrouve. Non, c'est pas celle-là. Est-ce que c'est celle-là? Attends. Ouais, c'est celle-là. Moi, je leur avais proposé ça. Alors, elle est faite à la fin. Ah oui, c'est vrai qu'on retrouve l'hexagone. Ouais. Pas là, mais... Voilà, moi, je leur avais proposé ça. Ils ont trouvé que c'était un peu violent. C'est dommage. Moi j'aime bien. Bon, comme d'hab, c'est moins saccadé en vrai que ça ne l'est sur Twitch. C'est du 60 FPS normalement, donc attends, je regarde le retour sur Twitch pour voir. Mais... Ouais, ça va, on voit quand même l'effet. Ils ont aimé. Ils ont dit on pourra s'en servir un jour, mais pas là. Voilà, là, ils étaient plus sur une version un peu plus soft. Bon, c'est leur choix. Hein. Ouais. Client paye, client A. Hein. On est d'accord. Mais comme ça, j'aime, c'est sympa. La façon dont la transition de la grille qui arrive super discrètement et presque d'un seul coup, elle est là. Je trouve c'est assez magique. Non, c'est pas le Covid, c'est... non, c'est une animation de liée à l'endroit où l'événement va avoir lieu. Ils nous ont donné ça à mettre en vidéo de fond. Le cercle qui grossit, c'est cool. Alors lequel? Qui grossit sur la grille finale? Genre cela là. Là j'ai mis 2 secondes. Ah, celui qu'ils ont refusé. Ouais, j'ai plus les presets là. Enfin, si je les aime, c'est un peu plus. Le cercle. Ah, ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, c'est bon. Ouais, je l'ai gardé le. C'est le preset Work in Progress. Je l'ai gardé. Ouais, je l'avais mis à 0,5 secondes. Quand ça part du milieu pour aller au bord, c'est ça? Pas s'il marche toujours parce que j'ai modifié les trucs. Et oui, donc les points verts, ouais, non, c'est ils ont une vidéo comme ça de fond qui sera même en temps d'attente sur l'écran. Et du coup, je l'ai rajouté en fond de la mienne. Alors, going to center from external 0,5. On va enlever le 0,5.
Donc je la ralentis par 2. Donc je mets genre 3, on va mettre 1,5 secondes. Le cercle est grossi, mais pas l'autre. Déjà, on va voir si elle marche toujours. On génère. Vidéo d'ascenseur. Pourquoi? Mais comme je leur ai dit, c'est cool que moi je voulais vraiment la faire parce que je voulais vraiment voir ce que ça donnait avec une animation vive. Ça montre un peu les capacités de Lucky, enfin ça reste super fluide et tout. Non, 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 pas du tout. En fait, là, c'est en gros, c'est. J'avais codé ce projet pour mon client il y a 1 an et demi, avec juste des rectangles collés les uns aux autres et les webcams. Et en fait, moi, sur mon temps perso, il y a quelques mois, je me suis relancé là-dessus, mais moi, en me disant, bon, bah, soit ils en voudront, soit je monterai une boîte dessus, etc. Et ils m'ont racheté ce projet. Donc maintenant, je le développe pour eux. Et du coup, là, ils ont un événement, donc je fais les animations. Cours, sachant qu'il y a 2 semaines, il n'y avait pas de moteur d'animation. Ils m'ont pris un peu de cours sur la demande par rapport à l'état d'avancement de mon projet. Mais quand on te dit, bah, on veut te racheter ton projet une certaine somme, somme que quand tu es développeur freelance, tu ne refuses pas, quand ça reste dans ton éthique, bien sûr. Et par contre, ça serait bien qu'on puisse l'utiliser le 22 mars. Bah, dit ok, hein, grosso modo. Donc voilà. Mais il y a énormément d'évolutions prévues sur le projet. Hein. On en est très très loin de tout ce que j'ai en tête. Alors on va voir la proposition de Sylvain. Je sais plus quand ça part au centre. Bientôt, j'espère, parce que là, c'est long. Voilà, c'était peut-être trop lent. C'est pas désagréable. Ouais, ça m'occupe. C'est pas désagréable, mais après, je peux changer le easing. Ah, quoique, non, là, j'ai mis du exponentiel. Exponentiel. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, c'est celle-là qui arrive trop vite maintenant. Ça m'occupe, ouais. Ouais, tu sais, 25 ans à faire des side projects. Quand enfin, on te dit, ah, ton side project, il m'intéresse. Voilà un chèque. Bon, c'est pas un chèque, c'est des actions, mais pareil. C'est pareil. Tu te dis, bon, il m'a fallu 25 ans de week-end et de soirée jusqu'à pas d'heure sur différents projets pour que enfin. Il faudrait que les tuiles grossissent en même temps. Alors elles le font. En théorie, elles partent de 0,5. Peut-être elles le font pas du coup. Ah oui, il est chiant ce player vidéo. Il est chiant ce player. Elles sont censées le faire. Mais elles ne le font pas. Elles grossissent pas du tout. Si elles grossissent. Regarde. Là, j'ai 2,5.
deux curseurs de souris. Ah si, elle grossit ça. Après, je peux lui faire grossir plus. 1.5. J'ai l'avantage, hein, j'ai juste à modifier la valeur. Je mets 1.5 pour voir. Attends, je vais réduire les... Là, c'était 20 secondes. Je vais réduire. Enfin, disons 30 secondes. Et toi, HTML5, si t'es toujours là, toujours sur le projet de ton client, donc t'étais dans WordPress, c'est ça? Non. Je sais plus, je confonds. Est-ce que je confonds? Non, je confonds pas. C'est dur de mémoriser les détails et infos de tout le monde. Ah oh. J'ai mis un bug. Ah non. Buffer is too small for requested URL. J'ai déjà corrigé 1000 fois ça, putain. Ah, oh, ça saoule. Ah oui, photographe, c'est ça. Ok. Tu as plus ou moins trouvé les différents plugins ou autres que tu as... utiliser. Utiliser ça de toute façon en plus de ton taf à côté, il me semble. Alors 175 175, voilà. J'essaye de faire entrer 80 875 octets dans 81 675. Ça ne rentre pas. Et j'étais persuadé d'avoir corrigé ça. Bon, je vais le relancer en mode debug. Ça, je tomberai peut-être sur l'erreur. Allez, 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 allez. Non, mais t'as raison. T'imagines ce bug, il arrive le jour où je suis en prod. J'étais persuadé de l'avoir trouvé tout à l'heure. De l'avoir trouvé et corrigé. Ouais, moi ça va, je l'ai encore. Voilà, c'est... Il va falloir que je m'en trouve un autre. Je comptais bosser sur celui-là en side project pendant des mois et des mois et des mois. Encore des mois. Dans l'île du rachat, c'est... pendant genre 4 mois... La moitié de... Mon temps, je continue à avancer dessus sans facturer. Mais ça va. J'ai pour ça veut dire que pour une fois qu'il y a une boîte qui paye avant. Alors, non, là, il a fini. J'ai pas eu le bug. Donc, on va voir si il y a un plus grand scale. Donc, j'ai réduit 10 secondes le temps d'animation.
En fait, je suis en train de me dire. Là, je la passe au ralenti pour voir. Voilà, là, elles font cette taille-là. Oh, peut-être pas. Ouais, si, elles grossissent bien. Donc, on va voir si je la remets. Mais c'est elle qui arrive trop vite, du coup. Mais je garde le. C'est sympa. La façon dont ça part, c'est sympa. Il faudrait que ça accélère plus à la fin. Sauf que je suis déjà en exponentielle ease-in. Et si je retourne voir les ease-in, je suis sur celle-là. En fait, non, la taille maxi du cercle, je ne veux pas parce que je voulais qu'elle soit. Qu'elle soit non visible. Et le cercle, on est clairement bord de. C'est un cercle qui est à peine plus grand que le cercle minimum qui inclut le rectangle. Pourquoi on pourrait avoir l'impression. Pourquoi ça donne cette impression que c'est. On a l'impression que c'est linéaire, quand même. Ah, le player vidéo, il souffle. C'est vrai que les clignotements de leurs vidéos de fond, vraiment désagréables. Bon, en tout cas, c'est pas le sujet. Et il est 3 h. Donc je vous propose qu'on arrête. Et demain, je m'attaque aux séquences, du coup. Puisque c'est ce qui va régler un certain nombre de soucis. Donc, pour ce soir, on va rester sur. Attends, je vais la régénérer une dernière fois. Preset work in progress. Toc. On met immersive intro. On remet le bon nombre de tuiles. Je la régénère. Ah, mais là, le clignotement, c'est vrai que là, il était particulièrement désagréable dans celle-là parce qu'il apparaît au mauvais moment. Et du coup, moi, ce qui m'emmerderait, c'est qu'on ait l'impression que c'est. Moi qui ai causé. Un effet désagréable. Or, ce n'est pas moi, je ne suis pas responsable. Ni responsable, ni coupable. Ok, elle est finie, je vérifie une dernière fois. Donc là, avec l'opacité à 0,8 normalement. Oui, on voit bien l'opacité. Ensuite, elles partent en fond et elles apparaissent au milieu tranquillement. N'empêche, ça le fait vraiment bien, hein, je trouve. Cette apparition très progressive de la grille, c'est cool. L'effet est super cool.
Demain, c'est une autre journée. Bonne nuit à tous. Et bonne soirée à toi, du coup. HTML5 PHP. Alors que je connais ton code et la raison, ça me choque. Ah ouais, non, mais c'est vrai que... Alors, sur celle-là, je ne l'ai pas fait attention. Mais sur celle qu'on a refait avant avec l'explosion, ça me choquait. Là, je vais voir si je le vois. Oui, bah ouais, là. Mais bon, c'est un effet à eux. Non, ça rend bien. Je suis content. Je suis content. Bon. Sur ce, on va aller faire dormir les yeux. On va essayer de pas se redécaler trop. Parce que mine de rien, le 22, se lever à 7h du mat. Donc ce serait bien que je ne fasse pas... Je me décale pas trop. Bah, merci à tous. Je vous souhaite la bonne nuit. Et puis ben, rendez-vous demain. Hein. J'ai plus de deadline mercredi, donc demain dispo pour le stream. Bonne nuit à tout le monde. Demain, ça sera séquence. Enfin, création de séquence. Enfin, je vais commencer dans la journée. Et puis on verra où ça en est demain soir. Mais t'as bien vu comment ça se passait récemment. Un truc qu'on a l'impression que ça prend une heure, on va prendre une journée, donc on verra, ce sera la surprise. Bonne nuit tout le monde, et puis bien, bon courage demain, et à demain. Enfin, bonne nuit et bonne soirée pour ceux qui sont sur un fuseau horaire éloigné. Ciao ciao.